Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 10h moins le quart. Il est fou le bordel depuis qu'on est réveillé. Je me suis réveillée à 3h. En même temps, hier, j'ai dormi toute la journée. J'étais pas très très bien. J'ai dormi toute la journée. J'ai été me coucher à minuit et je me suis réveillée à 3h. Laisse-le tranquille. À cause de Yuki qui arrêtait pas de bouger dans le lit. Sympa. Donc j'ai été me recoucher quand j'ai réveillé Georges pour qu'il aille à l'école. Et ensuite, c'est Ryan qui est venu me réveiller à 8h. Donc j'ai endormi même pas une heure. C'est un peu plus d'une heure parce qu'il est venu me réveiller à 8h30. Donc autant vous dire que je suis épuisée. Mm-hmm. Voilà, voilà. Donc, du coup, comme j'ai tourné le nail art, là, puisque depuis que j'étais réveillée depuis de 3h à 7h, j'ai eu le temps de faire un peu ce que j'avais à faire. Vous l'aurez demain en short. Et voilà. Donc, week-end, dimanche, j'ai fait ma vendredi, j'ai fait ma patine, puisque je l'ai reçue. Je sais pas si vous voyez qu'il y a beaucoup moins de reflets jaunes, quand même. Bon, là, avec les éclairages, c'est pas flagrant, mais voilà. Donc là, ils resteront comme ça. J'aurai juste maintenant des patines de temps en temps. J'aime bien la couleur de toute façon. Et puis ça fait des beaux reflets gris. Donc voilà. J'aurais aimé que ce soit plus gris, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. J'en ai profité pour refaire ma coupe de sourcils aussi, comme j'y étais. Samedi matin, on a été chez DM avec Chérie. 140 balles. Vous avez déjà eu le haul, hein, vous l'avez eu lundi. Je vous le remets en barre d'infos. Je note. 140 balles, ouais. Mais bon, au moins du stock de à peu près tout. J'ai fait du stock de patines, de shampoing violet, de masque violet, de gel douche. Là, les gels douche, on en a un bon paquet. Quelques soins, enfin voilà. Quand on va là-bas, on n'y va pas pour rien non plus. Hein, puisque bon, bon après, c'est pas très long, on en a pour 40 minutes. Hein. C'est pas super loin, hein. Mais on n'y va pas régulièrement parce que y a que ça comme magasin en fait. Ça et le petit magasin en face, Kik, là, on passe à chaque fois, mais. C'est pas un super magasin quoi. On passe quand même vers un tour. C'est là que j'ai trouvé mon gilet. Enfin, vous avez vu le hall quoi. Ou alors allez le voir. Là j'attends que Titi Silver aille se recoucher pour nettoyer la cage. Parce que s'il dort pas quand je nettoie la cage, il se barre. Ensuite on est rentré, j'ai fait une sieste de 4 heures. J'étais crevée. J'ai filmé le hall, j'ai fait le montage, comme ça, c'était tout prêt pour lundi. Et hier, j'ai rien foutu à part dormir, donc voilà, mon week-end n'était pas passionnant. Là, j'attends la sortie du jeu. Je viens de mettre un sondage sur Insta pour voir si... Parce que j'aimerais bien faire la découverte en live, mais je ne sais pas trop sur quel truc la faire. Si je la fais sur Twitch, si je fais sur... sur la chaîne gaming, si je fais sur ma chaîne principale, je sais pas trop. Je sais pas où il y aurait le plus de monde, parce que j'aimerais bien que ça dure quand même un certain temps. Mais du coup, je sais pas où il y aura le plus de monde, surtout bon, le vendredi à 8h au matin, je pense pas qu'il y ait grand monde finalement, donc je verrai bien. Si je vois qu'il y a personne qui est motivé pour les chaînes YouTube, je le ferai sur Twitch quand même. Et il y aura la relief de toute façon sur la chaîne gaming, donc voilà. Et voilà, voilà. Ouais, donc aujourd'hui ça va être à part je dois faire la crèche des Titi qui est la kiné à 5h. Il faut que je prépare le colis pour envoyer à Amy ce que je lui ai pris chez DM. Il m'a demandé de lui prendre 2-3 trucs maintenant aussi. Mais maintenant ça attendra qu'on se voit. Amy elle voulait pas attendre parce qu'elle est colo, je suppose. C'est pour ça qu'elle est pressée. À part le kiné aujourd'hui, la cage des Titi, il n'y a rien d'important. Le reste, ça peut être décalé à demain. Je vais faire sortir les chichous ce matin, mais comme j'ai été me recoucher, ben, ça sera pour demain matin. Là, j'attends mon jeu.
J'attends votre retour avec impatience. Et je vais devoir faire une pause dans mon week-end de No Life et de gaming, puisque samedi soir, on va manger chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc je vais devoir faire une pause de geekage. Alors que quand j'ai un nouveau jeu, en principe, je passe au moins une semaine dessus non-stop. Qui court, il se casse la gueule. Ah, je vous jure, ces chiens, ils auront ma peau. Bon, les titis aussi, hein. Ils me font mourir de rire, les titis en ce moment. Ils se lèvent un peu plus tôt le soir, donc je les vois un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent difficiles pour bouffer ceux-là? Oh, ils veulent plus rien. La pomme, ils en veulent plus. Là, je leur ai mis la dernière fois de la bouillie et de l'avocat. Ils ont mangé la. D'habitude, je leur mets de la pomme et la bouillie. Ils mangent que la bouillie. J'ai là, je vais changer. J'ai mis de l'avocat et la bouillie. Ils ont mangé que l'avocat. Hier, j'ai mis des haricots verts. Là, je crois qu'ils ont à peu près tout mangé. Mais alors, les haricots verts, il y en a plein dans le fond. En fait, ils ont juste mangé les graines à l'intérieur des haricots. Ils n'ont pas mangé les. L'écosse. Je vous jure. Bande de petits cons. Ah oui, et je leur ai mis un demi-œuf dur. Non, un œuf dur complet hier, ils ont tout bouffé. Ça c'est rare que je leur mets, mais ils aiment bien de temps en temps. Voilà, bon, c'est pas passionnant ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Surtout que ma flemmage est aiguë là. Je suis épuisé. Petit café. Je crois que je vais manger tôt et aller me coucher. Je vais encore dormir toute la journée. C'est bizarre comme mon sommeil il fluctue comme ça. Soit je dors tout le temps, soit je dors pas. Soit je dors toute la journée, je dors pas de la nuit. Soit je dors toute la nuit, je dors pas de la journée. C'est vraiment. Ça varie. En fait, il va essayer de la sauter. Là, j'ai le devis pour la castration, donc ça va, j'ai assez de sous. Donc, oh, il pleut. Tiens donc. C'est étonnant. Donc, il faut que je joue avec Chéri quand est-ce qu'il est dispo pour que je prenne les rendez-vous. Le rendez-vous de pré-castration, ça va, parce que ça, on peut prendre rendez-vous après 5 heures. Mais pour l'opération, il faut le déposer le matin et aller le rechercher dans l'après-midi. Donc, là, il faudrait qu'il prenne congé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah vas-y, saute-moi dessus. Tu attends que lui ait fini de manger, bah je le ferai peut-être après la sieste d'ailleurs, comme ça je suis sûr qu'il dorme. Ah il est, faut leur la payer. Là, il n'y a que Suzy de réveiller. Bon allez, sur ce, j'ai rien de plus à vous dire. Donc bon écoutez, ensuite je joue parce que sinon je vais parler pour ne rien dire. Alors, il est 8h30, 8h35. Les chiens sont dehors, donc ça va venir gratter dans 2 minutes, bien évidemment, comme d'habitude. Alors cette nuit, Riley m'a réveillé à 2h du matin. On est content. Donc j'ai fait un montage. Oui, hier j'ai fait mes ongles que j'ai dû enlever, je vais vous expliquer juste après. J'ai fait un montage et le upload de ma vidéo et j'ai fait 2-3 petites babioles. Et je me suis dit, je vais me recoucher. Il était 4h du matin, je vais me recoucher dans le canapé puisque, vu que chérie, son téléphone commence à sonner à 4h30 du matin, je me suis dit, je vais être réveillée, ça va m'énerver. Donc autant dormir directement dans le canapé. Sauf que ben, je me suis couchée. Et là, il y a Madame Cuny qui a chopé les barreaux de la cage et qui a commencé à les secouer comme une tarée parce qu'elle voulait venir près de moi. Et après, les titis qui ont commencé à gueuler et à courir dans le trou. Donc pour finir à 4h, non, 5h moins le quart, je dis j'ai quand même monté, tant pis. Et j'ai entendu une fois le réveil de chérie et après j'ai réussi à me rendormir, mais jusque 6h30, donc j'ai redormi 1h30, quoi. Et donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais je vais essayer de tenir le coup jusqu'à l'heure de la sieste et mettre un réveil pour dormir que 2, voire 3 heures grand max, pour
essayer de plus me réveiller la nuit, hein, ça commence à me gaver. Mais voilà. Donc mes ongles, j'ai dû les enlever parce que, ben voilà, réaction. Hein. Je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pas eu de réaction. Je pense que j'ai mal mis sur certains doigts le latex. Ou alors, c'est vraiment le bleu. Je pense que c'est le bleu que j'ai utilisé qui m'a causé des réactions. Parce que là, j'avais mal mis le truc. Et ça m'a carrément brûlé le doigt. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, j'avais pas bien enlevé. Ça m'a carrément brûlé les cuticules, quoi. Vous voyez? Donc voilà, ils sont de nouveau tout gonflés. Ça me gratte à mort. J'arrête pas de mettre de la crème depuis hier. Donc j'ai enlevé. Et ce matin, je viens de faire une commande Boozy Shop avec des vernis essence. Parce que voilà. Il me semblait que j'avais gardé quelques vernis classiques au cas où, justement. Et je les retrouve plus. Donc là, j'ai commandé 12 vernis. Alors il y a essence. J'ai pris un Wet n Wild noir. Parce que c'était une plus grosse contenance pour pas grand chose en plus. Et un Catrice, je crois. Un ou deux Catrice peut-être. Mais sinon, tout le reste, c'est des essences. Et voilà, comme ça, en attendant, je vais faire le vernis classique parce que j'ai pas le choix, ça me bousille trop les doigts, je n'en peux plus de me gratter comme ça. Là, je vais faire un bain d'huile et remettre de la crème anti-démangeaison. Alors, la crème anti-démangeaison que j'ai achetée chez DM, là, très bien. Bon, forcément, vu que j'avais toujours le vernis, ça continue à me gratter, mais la dernière fois, j'avais une démangeaison, pareil, sur le doigt. Je l'ai mis, ça m'a pu regratter. Jusqu'à ce que je refasse mes ongles, gros imbécile que je suis. Donc là, je vais laisser tomber un peu les VSP en attendant de trouver la solution parce que. Mais je pense que c'est suivant certaines marques. Donc si je ne mets pas trop proche des cuticules, ça va. Là, vous voyez, comme il a eu du mal à catalyser en fait et ça a coulé dans ma cuticule. Si j'ai mal mis du latex, ce que je pense qu'est totalement le cas. Ça a été dans mes cuticules et du coup, ça m'a carrément cramé, quoi. Bon, après, je me gratte, hein, donc forcément, ça aide pas non plus, mais... Donc voilà, je reçois la commande demain, je ne sais pas à quelle heure, probablement dans l'après-midi. En principe, Boozy Shop, je reçois toujours dans l'après-midi. Donc, je vous montrerai ce que j'ai pris après-demain et on fera les swatchs aussi, des vernis à effet. Comme ça, je ferai les swatchs sur des tips noirs déjà pour mettre les trucs à effet dessus. On verra mieux ce que ça donne. Et voilà. Et j'en ai profité pour reprendre deux fonds de teint Révolution, la sérum de teint, là, parce que j'adore ce produit. Mais gros coup de cœur sur ce produit. Voilà, voilà. Est-ce qu'il m'aurait laissé faire mon blog tranquille jusqu'à maintenant? J'ai fait sortir les chichous ce matin, alors c'était un peu le carnage, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris plus tôt, hein, parce que j'aurais pu largement vous prendre plus tôt. Ah oui, ce matin j'ai acheté un nouveau jeu. J'attends tellement impatiemment Dragon's Dogma vendredi que du coup j'ai eu... je vous affiche la photo du jeu parce que je ne sais pas, c'est The Witch. Je sais plus quoi. Et j'avais dans ma wishlist depuis un certain temps puisque l'accès anticipé était sorti en fin 2022, mais il n'était pas en français, donc ça m'a un petit peu gavé. Et là, pour les soldes de printemps, il était en promo et j'ai vu que c'était le jeu complet qui était sorti. Donc je l'ai eu à 17€, je crois, comme il me restait un peu de ma carte cadeau que Amy m'avait fait. Pour Noël, je l'ai eu à 15€ à la place de 25, je crois, 23-25. Donc là, je vais tourner le petit let's play pour la chaîne gaming. J'ai mis un sondage pour voir pour le live, parce que j'aimerais bien faire en live, mais je pense que je vais faire finalement en let's play aussi, pour Dragon's Dogma. Voir si vous préfériez que je vous le fasse sur la chaîne principale, la chaîne gaming, sur Twitch, ou si ça vous intéressait pas. Et c'est entre ça jongle entre la chaîne principale et ça m'intéresse pas. La chaîne principale en tête et après c'est ça m'intéresse pas. Twitch, il n'y a eu que un vote. Donc je sais pas si je vais le faire en live. Je pense que je ferai plutôt un petit let's play. Un petit let's play découverte. Vu que j'ai déjà créé mes personnages. Donc ouais, je pense que je ferai plutôt ça.
Et voilà, si je vois que ça plaît, je ferai des lives, mais je pense que les lives, je vais les faire directement sur la chaîne gaming. Je sais pas encore, je vais voir. Après, c'est sûr que Twitch, j'aurai plus facilement la monétisation que sur YouTube, hein. YouTube, il y a beaucoup plus de trucs, mais bon, c'est pas non plus ça qui va me rapporter des milliers et des cents, hein, donc voilà. Je sais pas, je vais encore réfléchir un peu, mais je pense que je le ferai plutôt en let's play. Et voilà, on verra bien. Bref. Je verrai vendredi matin comment je suis motivé, si j'ai envie de lancer un live ou pas. De toute façon, après, au pire, vous aurez la rediff, hein, mais je pense qu'avec le let's play, c'est plus facile parce que comme je filme. Ma tête, je pourrais filmer directement sur la PlayStation avec la webcam, mais je préfère le faire avec ma tête sur la caméra. Comme ça, vous voyez mes réactions pendant le jeu et tout ça, mais pendant les cinématiques, comme je dis rien, bah du coup, je peux l'enlever pour que vous puissiez profiter aussi de la cinématique. Donc voilà, c'est sympa. Comme ça, ceux qui veulent voir le début du jeu, le début de l'histoire et tout ça, bah, il n'y a pas ma tête affichée, quoi. Parce que sur la PS, je sais pas. Je peux le faire aussi, hein, mais je sais pas trop comment. Et ben, il y avait personne. C'est ma sonnette qui déconne encore une fois. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. J'arrête pas de me gratter, donc je vais soigner mes doigts. Qu'est-ce que je devais encore faire? Ah oui, je dois filmer mon matos pour les ongles, puisque c'est une vidéo qu'on m'a demandé. Ça fait un peu de temps qu'on me l'a demandé, hein. Je suis désolée, j'ai mis un peu de temps à la filmer, mais j'adore mes cheveux. J'aime trop, 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 trop. Voilà. En plus, je vais devoir faire une pause geekage samedi pour aller manger chez ma belle-sœur et mon beau-frère. Enfin, mon beau-frère et ma belle-sœur. Après, on rentrera pas très tard, donc je pourrais certainement geeker en rentrant. Voilà, chérie devait prendre le colis d'Emmy et il a oublié de le prendre. En même temps, je viens de refaire une vente sur Vinted, donc je vais pouvoir préparer ça en même temps. Il les prendra demain. Et voilà. Ouais, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Et dire à Georges qu'il mange son bordel sur la table, parce que c'est le bordel sur la table, comme d'hab. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi je vais faire ce que j'ai à faire, puis après je vais commencer le let's play de mon jeu. Comme ça me tiendra éveillé jusqu'à l'heure de la sieste, jusqu'à ce que je mange et à l'heure de la sieste. Et voilà. Donc sur ce, on switch le jour. Il y a Yuki qui gueule. Yuki! Alors, il est 15h10. Je viens de recevoir la commande du Boozy Shop. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. On va faire les swatchs des vernis à effet. J'ai dormi toute la matinée. J'ai encore pas dormi de la nuit, bien évidemment. J'ai été me coucher à 11h. Je me suis réveillée à 3h tellement j'avais les doigts qui me brûlaient et qui me grattaient. Donc j'ai fait quoi? Ah oui, je me suis lissé les cheveux et tout pour me dire, comme je me suis dit comme ça. Quand Sam part à l'école, je l'ai vite filmé avant d'attendre l'heure de la sieste. Sauf que ben, je l'ai réveillé, j'ai été me recoucher parce que j'en pouvais plus à 7h. Donc j'ai été me recoucher à 7h. Ryan m'a réveillé à 8h15. Donc je suis descendue, je leur ai donné à manger et je me suis recouchée dans le canapé de 9h à 13h et des cacahuètes. 9h30 à 13h30 à peu près. Donc voilà, ça n'avait pas super longtemps que je suis réveillée. Et je disais aux filles, je suis tellement fatiguée, enfin épuisée, que je ne sais même plus si je suis fatiguée ou pas. Donc, oh là. Donc maintenant, il faut que j'essaye de ne pas dormir. Là, je viens de finir le montage de la vidéo de vendredi pour vous, sur mon matos pour les ongles. Et voilà, tout simplement. Donc là, je vais monter après cette journée de vlog et après, je vais jouer un peu. Pour me tenir éveillé. Bref. Alors, chez Boozy Shop, en cadeau, j'ai pris
un pinceau, voilà, c'est toujours, je prends ça ou les fossiles s'il n'y a pas de pinceau, voilà, c'est un petit pinceau boule, celui-là je vais le mettre de côté, que je rajoute dans les lots des concours au fur et à mesure. Pour avoir les frais de port gratuits, j'ai repris deux skin silk comme ça, de chez Révolution, hein, le sérum teinté là, quel coup de cœur que j'ai eu sur ce bazar, hein. Oh là 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 là, j'adore, 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 c'est un sérum fond de teint. 23 ml, c'est rikiki comme contenance, mais il dure relativement longtemps puisque moi je l'utilise depuis que j'ai fait la vidéo crash test. Et voilà, j'en ai encore bien bien. Alors, en vernis, j'ai pris 5 mats plus un noir. Donc le noir, je vous ai dit, j'ai pris le Wet n Wild. Parce qu'il était un peu... pas beaucoup plus cher pour, je vais prendre le site pour voir, pour vous donner les prix. Il n'était pas beaucoup plus cher pour une plus grosse contenance. Il y a le chien du voisin, enfin pas du voisin direct, celui d'après, qui fait que gueuler depuis ce matin. Et quand je vous dis que gueuler, c'est que gueuler. Et maintenant c'est vous qui s'y met. Maintenant que l'autre ferme enfin sa gueule. Alors, les fonds de teint sont à 11,95 et le Wet n Wild Color Black Cream 2,95 € et la quantité c'est 12,3 ml contre chez Essence c'est 8 ml et les essences sont 1,89 €. Ouais, à peu près 1,89 € je pense. Donc j'ai pris le noir là, comme ça j'ai une plus grosse quantité, puisque le noir chez moi c'est ma couleur de base. Hein. Voilà ce qu'il donne. Là il est en train de sécher, puisque j'ai préparé les tips pour faire les swatchs des vernis à effet. Et il n'y a qu'une couche là, et franchement il est bien opaque. Par contre j'aime pas trop le pinceau, il est super fin et super long. Yuki! Ça gueule là. Vous voyez, il est super fin et super long. Donc, c'est pas très très précis. Mais écoutez. Hein. Il me regarde comme un con. Alors, j'ai pris le In a Wild Crocodile. Hein, qui est un peu ben, un crocodile, quoi. Un peu kaki olive, comme ça. J'ai beaucoup. Je crois que les classiques. Ouais, 1,89 €. Ah non, celui-là n'est pas le même prix, tiens. Donc celui-là, il est un peu plus cher. Attendez, hein, je regarde en même temps. Hein. Ouais. Les autres sont tous à 1,89 €. J'ai pris le Always on Taupe. Parce que, ben, taupe, c'est la base. J'ai pris le Please Berry Me, puisque moi, une berry sur les ongles, j'adore. Et j'ai pris The Final Rose, ce qui est un vieux rose, parce que ça aussi, ben, c'est la base. J'ai pris mes teintes de base. C'est plus bien par le focus. Et j'ai pris le Coral Me Maybe, qui celui-là est un peu plus cher, il a 1,95 €. Je ne sais pas pourquoi. Vous le voyez beaucoup plus orange que ce qu'il est. Il est vraiment, c'est un beau corail, très beau corail. Et j'adore les pinceaux de chez Essence. J'adore la qualité des vernis Essence. Hein, voilà. Franchement, si vous voulez des vernis pas chers, c'est une très 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 bonne qualité. Catrice aussi. Alors, on va rester chez Essence pour les swatchs des vernis à effet. Alors, j'ai d'abord pris le Dazzling Shell. 1,89 € aussi. Il y a plein de petites paillettes magnifiques. Il y en a un, j'ai posé ma manche de mon gilet dessus. Donc il est un peu cracra. Il y a un téléphone qui vibre, c'est pas le mien. C'est celui de Chéri qui l'a oublié pour aller en allant travailler.
Je vais essayer de mettre une bonne couche, hein, qu'on voit bien les paillettes. Ouais, c'est des jolies paillettes sur le noir, ça donne bien. Problème de focus d'appareil là, ça me fatigue. Si vous voyez bien, non, c'est Riley qui s'y met. Ils sont toujours en train de brailler ces chiens. Ensuite, j'ai pris deux holographiques Holobomb Effect 2,95. Donc, j'ai d'abord pris le Holol. Attendez, je vois pas l'éteinte. Ah, ici. C'est celui-là. Ah, il est. Elle sait vraiment pas jouer sans faire du bruit, c'est un truc de fou. Voilà. Et l'autre, qui est plus argenté, bah, vrai holographique, quoi, vous voyez, vraiment laser. Qui est le Riddin Holo. Alors on va commencer par le Holol. Holol. Donc je sais pas si tout seul, ouais à mon avis ils doivent se voir quand même, ça doit être assez léger, mais oh quoique, ils sont bien opaques. Ils sont en train de jouer. Hein. Ça c'est le Holol. Riley, s'il te plaît. Bon, j'ai appliqué ça comme une cochonnette, hein, mais je vais essayer de choper deux tips en plus pour essayer tout seul. J'essaie de prendre des gants. Ah oui, tout seul sur l'ombre, vous pouvez le mettre largement. Là, il n'y a qu'une couche. Vous voyez, il est bien opaque. Il est même limite plus beau. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Et l'autre qui est le Riddin Holo. Je vais tester d'abord sur du noir. Oui, il est beau. Canon. Il est superbe. Toi. Et tout seul. Oui, en tant qu'à faire, on va essayer aussi. Bon, il est moins opaque pour mettre deux couches. Mais ça ira très bien. Je vais essayer de mettre une couche plus épaisse. Pour pas attendre que ça sèche entre les deux. Mais... Oh, c'est beau. Oh là là, que c'est beau. Oh là là, que c'est beau. J'aime bien. Donc voilà, tout seul, ça passe quand même. Alors ensuite, j'ai pris un Catrice qui est le Dream in Holo Blast. Catrice. Ils sont tarés. 3,95. J'ai pris que du holographique. Non. Alors là, vous avez le capuchon qui s'enlève. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Du plastique pour rien. Mais... Oh, c'est beau. Oh là là, que c'est beau. Il ressemble un peu au essence, mais en plus. Wow.
Oh là là, que c'est beau. L'essence, il a que les paillettes. Je vais vous mettre les deux d'un côté de l'autre. Je vous montre déjà le catrice. Oh là là, que c'est beau. Trop beau. Et si je mets le essence à côté, j'essaie de me cacher hein, pour le focus, mais voilà. Bon, vous voyez à peu près. Hein. Trop coup de cœur sur celui-là. Et j'ai pris un W7. Donc là, c'est un effet sirène. C'est le Ala Nala. 3,49 €. Mais c'est des plus grosses quantités. Hein, chez, ici, on est sur du 15 ml. Catrice, je n'ai pas. Regardez, 10,5 ml. Donc l'un dans l'autre, les prix se valent quoi. Puisque il y a la quantité qui change. Je voulais pas montrer, je crois. Voilà, j'ai vraiment pris le strict minimum pour pouvoir me faire des nail art quand même, malgré que je peux. Pour l'instant, je vais éviter de mettre le. Du vernis semi-permanent pour ben, éviter de me cramer les ongles hein, et de m'abîmer plus les cuticules. Enfin, c'est pas les ongles, c'est les cuticules qui me posent problème en ce moment-là. C'est beau aussi ça. Je pense que sur un violet, il sera peut-être plus beau encore. Vous voyez l'effet que ça fait? Hop. Trop beau. Donc voilà pour mes petits vernis, ça c'est ce que j'avais fait. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis épuisée, c'est un truc de fou. J'en ai marre d'être fatiguée. Je vous jure que j'en ai marre. Ouais, donc. C'est une tarée, je vous jure que c'est une tarée. Ah, oui. J'ai même pas repris le canapé encore, j'ai dormi dedans toute la matinée. Là, je vais jouer un petit peu sur mon jeu de sorcière. Et je me suis enfin décidé sur le PC que je voulais. Donc, il faut que je mette encore un peu de côté pour pouvoir me l'acheter. Et revient moitié prix que le budget que j'avais pensé. Donc, j'avais pensé mettre de côté 2 000 €, puisque je voulais un PC gamer. Après, j'ai hésité, je voulais me prendre un PC tout en un. Allez, s'il te plaît! Et finalement, j'ai trouvé un PC gamer surpuissant pour 1 000 € sur Amazon. Donc, je vais me prendre celui-là. Il y a 15 jours de livraison, quoi. Ça, c'est un peu chiant parce qu'il vient de Chine, bien évidemment. Donc, je pourrais pas revendre le portable tant que j'ai pas reçu l'autre. Sinon, je ne sais plus faire de montage. Ou alors, une fois que j'ai commandé le premier, il faut que je fasse beaucoup de montage. Que je tourne beaucoup à l'avance et tout, au moins 3 semaines pour être sûr, mais je préfère pas. Mais je pense que je vais demander un devis chez Cash Express là. Voir un peu combien est-ce qu'il me le reprendrait. Comme ça, je sais déjà combien j'ai de budget. Il y a le voisin qui tombe sa peau. Après, c'est un bruit qui me dérange pas en fait. C'est apaisant, je trouve. Ça sent les beaux jours. Voilà, bon, bref, allez, sur ce, pour pas commencer à vous raconter encore une fois n'importe quoi et vous répéter 15 000 fois la même chose, ben, on suit toujours. Alors, il est, il doit même pas être 8 h, ou il doit être 8 h, un truc comme ça. Je viens de finir de filmer cette vidéo. Puisque j'ai Enzo qui vient à 11 h. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais même pas faire de sieste. Alors que je suis réveillée depuis 5 h et que j'ai été me coucher à 1 h 30. Parce que j'ai Enzo qui vient à 11 h.
Donc, soit je vais redormir maintenant, mais je suis pas vraiment fatiguée. Soit je dors pas. Ça dépend quand il va repartir. Puisque chéri rentre du boulot assez tôt, puisqu'il vient me chercher à 3h30, puisqu'on a un rendez-vous au Luxembourg pour des papiers à 4h30. Donc voilà, je vais pas vraiment pouvoir dormir, surtout que je ne sais pas du tout à quelle heure on va rentrer. Donc après, il faut faire à manger, manger. À mon avis, à 20h, 21h, je suis au pieu. Ce qui n'est pas dérangeant si je me lève très tôt demain matin, puisque je vais pouvoir jouer. J'ai pu l'installer ce matin à 5h, le jeu. Donc j'ai dit à Ryan, si je peux jouer maintenant, tu es pardonné de m'avoir réveillé à 5h. Sauf que je dois attendre minuit pour pouvoir jouer. Mais là, je pourrais clairement pas tenir jusqu'à minuit. Et même si je tiens jusqu'à minuit, il vaut mieux que j'évite parce que sinon je vais faire une nuit blanche. Voilà, je me connais. Hein, une fois que commence un nouveau jeu. Voilà. Sinon, hier soir, ben, à 23h, j'ai fait mes ongles avec les vernis que je vous ai montrés hier. J'ai fait ça. Je vous montre. Voilà, rien de bien incroyable. Donc j'ai utilisé le crocodile machin, là, le essence. Le Catrice pour les paillettes et le noir de chez Wet n Wild. J'étais un peu con parce que comme il était tard et que tout le monde était au lit, enfin tout le monde, chérie était au lit, Sam était certainement en train de jouer, mais je pouvais pas remonter chercher un pinceau, donc je l'ai fait avec un douting tool qui me traînait en bas, et le trait noir est pas très net. Mais j'ai été con, j'aurais dû prendre un de mes stylos, de mes feutres acryliques. J'y ai pensé que la nuit. Voilà. Mais bon, écoutez, pour l'instant. Et ça ne me gratte pas. Donc je pense vraiment que le problème vient de, pas des vernis en soi. Bon, sauf peut-être ces petits-là que je ne supporte plus. Enfin, que mes cuticules pour l'instant ne supportent plus. Parce que là, ça m'a carrément cramé. Mais je pense que le problème, c'est la lampe UV pour l'instant. Voilà. Il faut que j'aille rechercher mon traitement pour les mycoses. J'ai presque fini. Il faut que je refasse 3 mois encore de traitement. Et je pense que je vais éviter le VSP pendant ces 3 mois-là. J'ai pas trop le choix si je veux pas me bousiller les doigts et puis m'énerver parce que je me gratte à sang, là. Je prends des, genre un essuie de bain et je prends et je tourne comme ça pour bien gratter mon doigt. Forcément, ben, ça me fait des engelures, des crevasses. J'ai la peau qui part en lambeaux. Ça me brûle et ça continue à me gratter, donc ça change pas grand-chose. À éviter. Je mets beaucoup de crème pour les mains pour essayer de bien réhydrater partout, surtout les cuticules et tout ça. Et on verra bien. Riley s'est enfin couché. Maintenant que je suis en vlog, que limite elle pourrait faire le bordel parce que vous avez l'habitude, elle s'est enfin couchée. Donc là, je vais descendre. Je vais me refaire un petit café, faire un petit pipi, nourrir les chiens. Je pense que j'irai à la douche aussi, comme ça c'est fait. Surtout que je n'ai pas lavé mes cheveux, c'est tout bien, bien. Et voilà. Bah, écoutez, aujourd'hui, j'ai rien de plus à vous dire. Demain, je pense que je vous montrerai peut-être un petit peu le jeu. Je verrai bien. Je ne sais pas. Sinon, ce sera juste la clôture. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part au revoir. Mais je verrai bien demain. Voilà. Là. Aujourd'hui, ouais, il y a Enzo qui vient, on doit aller signer les papiers, c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire depuis 5h ce matin. Là, j'ai déjà fini ma vidéo. Je suis en train de faire le vlog. J'ai déjà rangé mon linge et tout ça. Voilà. Ouais, j'ai rien d'autre à faire de particulier. Faudrait bien que je nettoie, mais. Je suis tellement fatiguée, j'ai tellement mal partout que c'est juste impossible pour l'instant. Je vais essayer que Chérie me nettoie ça ce week-end. J'espère qu'il sera coopératif. Oh, j'ai encore rêvé qu'il me quittait cette nuit, pour une autre. Je fais souvent hein, ce rêve-là. Parce qu'il paraît, à chaque fois qu'on rêve d'une rupture ou que votre conjoint vous trompe, ça prolonge la vie du couple. Ben, je vous jure que vu les fois où j'en ai rêvé, on ne se quittera jamais. Parce que ça m'arrive très régulièrement. D'ailleurs, il faut que je. Ah, lui, il rigole à chaque fois hein, que je lui dis ça. Il faut que je lui dise. Ils en ont pas marre de gueuler en bas, là. Il faut que je lui dise tout à l'heure quand on ira signer les papiers, là. Et... Il va encore bien rigoler.
Il aime bien parce que il voit mon désarroi quand j'explique ça, parce que bah, ça fait souffrir, même que c'est un, ça, enfin, pendant votre rêve, vous souffrez. Et quand je me réveille, je suis encore un peu en me disant c'était un rêve ou c'est la vérité, ou il m'a quitté. Surtout que là, je me suis réveillée à 5h et pour une fois, il était plus dans le lit, il s'était levé tôt. Bon, je me suis dit putain, j'ai pas rêvé, il m'a quitté. Bref, allez, moi j'allais faire ce que j'ai à faire et sur ce, nous, ben, on se dit le jour. Il est 9h et je suis épuisée, je n'ai pas encore dormi. J'ai été me coucher, enfin si j'ai dormi, j'ai été me coucher à 22h et je me suis réveillée à 1h30 du matin. Je me suis réveillée parce que j'avais mal à la gencive à cause de mes dents. Je pense quelque chose coincé un peu en dessous. Alors je me suis dit je vais attendre, ça va passer et tout. Ça passait pas, puis après j'ai Riley qui a failli me foutre en bas du lit. Parce qu'elle me poussait pour me piquer ma place et tout. Donc je suis descendue. Je me suis réveillée à 1h15 et je suis descendue à 1h30. Et du coup, j'ai lancé mon jeu. Puisqu'il était officiellement sorti à minuit. Et je me suis dit, je vais commencer le dictationnel et je vais jouer 1 heure ou 2, puis j'irai me recoucher vers 3h. Voilà, ouais, 3h, je me suis dit, c'est bien. Oui, je viens d'allumer le poêle, je suis gelée. Donc à 3h30, je crois, enfin 3h, 3h30, j'ai essayé d'aller me recoucher. Et Yuki m'a empêché de dormir. Il se couchait, il se mettait sur ma tête, il se rebougeait, il me piquait l'oreiller, enfin. Après, il a voulu aller à sa place puisque je lui ai mis un petit coussin au-dessus de mon oreiller pour qu'il se couche là. Mais grosse dinde de Riley a piqué la place. Donc, elle a attaqué Yuki quand il a voulu aller sur son coussin. Donc, ça a gueulé juste à côté de mon oreiller. Donc, énervé, je redescends. Je remonte me coucher une demi-heure après. Même pas 20 minutes. J'ai fumé une ou deux clopes et puis je suis remontée me coucher. Oui, sauf que 4h30, réveil de monsieur, il commence à sonner. Donc, son réveil sonne une fois. Je dis, c'est pas grave. La dernière fois, je l'ai entendu une fois, mais je ne l'ai pas entendu la deuxième fois. Je l'entends deux fois. C'est bon. On va attendre. Il sonne une troisième fois, puis il me dit, bah, tu peux. Non, il sonne une troisième fois, donc du coup, je me lève, parce que ça m'énervait. Il me dit, bah, tu peux allumer la lampe, je suis réveillée. Ah, bah, lève-toi alors, laisse-moi dormir. Donc je suis redescendue en laissant la lampe allumée. Et à 5h, il était toujours pas en bas. Donc je remonte et je lui dis, lève-toi, comme ça je peux me coucher et essayer de redormir. Voyez? 5h20, j'étais de nouveau en bas. Pas moyen de m'endormir. Donc après, bon ben le réveil à 6h30 il sonne pour réveiller Sam, qui se lève qu'à 7h bien évidemment. Donc j'attends, j'irai me recoucher quand Sam sera pas, enfin, sera levé, comme ça il est levé pour aller à l'école. Moi je vais me recoucher et je sais que Ryan me réveille vers 8h30 en principe. Pour la bouffe. Mais je me suis dit ça fait quand même 1h30 de dodo quoi. Vous voyez, quand on n'a pas dormi depuis 1h30 du matin, on prend ce qu'il y a à prendre. Donc Sam se lève à 7h. Je lui dis, je vais me coucher. Je vais me coucher. Je l'entends qui part parce que j'arrive pas à m'endormir tant que je l'entends pas partir. Voilà, parce que on sait jamais, mais je l'entends qui part. Donc là, je dis, c'est bon, je peux m'endormir. Ryan et Yuki sont en haut. J'ai que Riley dans le lit. Je vais être tranquille. Je commence à m'assoupir. Mais vraiment, je sentais que je partais. Ryan qui vient gratter la porte. Donc, forcément, Riley me gueule dans les oreilles. Donc, j'arrêtais pas de gueuler sur Ryan en disant va te coucher, va te coucher, va te coucher, mais il revenait à chaque fois gratter à la porte. Donc, je me suis relevée. Je dis, ça sert à rien, il m'empêche de dormir. Et du coup, j'ai préparé à manger. Je dis, comme ça, le repas, quoi, à 8h, comme ça, je dis, ben, je leur donne, et puis après, je peux aller me recoucher. Sauf que je viens de leur donner, parce que ça fait 1 heure que je suis sur TikTok.
et que je suis plus fatiguée. Enfin, je suis fatiguée, je sens que je suis fatiguée, que mon corps est fatigué, mais je sens que ma tête n'a pas envie de dormir. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc là, je vais essayer de tenir 2 heures. Même si après, je sens que je suis vraiment fatiguée, je vais essayer de tenir 2 heures. Comme ça, je vais me coucher de 11 heures et je me réveille à 14, 15 heures grand max. Et pour savoir redormir ce soir, enfin, essayer, espérer pouvoir redormir ce soir. Mais je sens que ma tête n'est pas fatiguée. Mon cerveau est en ébullition depuis 1h30 du matin. J'en ai marre. J'aimerais bien que mon cerveau se mette un peu en pause, mais j'y arrive pas. Il fonctionne quand je m'endors et à peine après, à peine je suis réveillée, il bam, 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 plein d'infos dans la tête. Alors, je sais pas. Je sais que c'est pas normal, hein, parce que normalement le cerveau il met un certain temps à se réveiller. Une fois que le corps est réveillé, il faut que le temps que le cerveau il émerge un peu, qu'il nous dise bah, allez hop, c'est l'heure de se réveiller. Et moi c'est direct, bam, 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 plein de trucs dans la tête. C'est parfois des conneries, hein, parfois des trucs intéressants, parfois des conneries. Mais j'ai plein de trucs qui me passent dans la tête. Donc, et là je sens que ma tête n'est pas fatiguée. Donc. Hier, je regardais, d'ailleurs, je vous mets les reportages en barre d'infos. Je regardais des reportages de. Ça commence aujourd'hui sur le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, je crois que c'est ça. C'était super intéressant avec Olympe. Du coup, Olympe, elle a une chaîne YouTube, je vous mets aussi sa chaîne YouTube en barre d'infos. C'est très intéressant, j'ai appris plein de choses. Alors, moi qui adore essayer de comprendre l'esprit humain, c'est difficile à comprendre. Hein. J'ai toujours pas tout compris. Hein. Je comprends, je sais pas comment expliquer, je comprends le problème, on va appeler ça comme ça, le trouble, je le comprends, je comprends comment ça fonctionne, mais en même temps, il y a des trucs que je comprends pas comment ça fonctionne. Ça, c'est un peu compliqué, mais. Après, je pense que tant qu'on n'est pas dans la situation, c'est hyper compliqué à comprendre. Mais c'était vraiment très intéressant et j'ai appris plein de choses. Donc, moi, j'adore apprendre des choses, surtout sur l'esprit humain. Et voilà, c'est fascinant. Franchement, c'était fascinant. Et si jamais Olympe passe par là, je vais mettre dans l'appartement, mais je la remercie parce que ses explications dans l'émission ou sur sa chaîne YouTube, j'ai regardé quelques vidéos là. C'est vraiment très clair, c'est très compréhensif, compréhensible. Enfin, c'est très bien expliqué, quoi. Et ça aide vraiment à comprendre ce trouble et voilà. Bref. Mais c'était vraiment intéressant. Et du coup, moi, je voulais en venir où moi, j'ai pas un dédoublement de l'identité, mais de phase avec mon corps. Ma tête et mon corps sont jamais en accord. C'est un truc de fou. Quand ma tête est fatiguée, c'est mon corps qui a plein d'énergie, qui a envie de faire le ménage. Et quand mon corps est fatigué, ma tête, elle est en ébullition. Et je pense que ça vient de là, mes troubles du sommeil, comme ça, là. Parce que là, j'ai quand même pas dormi depuis 1h30. Voilà. Là, je vais jouer. Je vais jouer. J'aurais pu faire le ménage, mais mon corps est un peu trop fatigué. Donc, je vais jouer. Puis bon, le jeu vient de sortir, donc j'avais prévu ce week-end, c'est Geek. Je vous montrerai la semaine prochaine le jeu. Là, j'ai pas envie de filmer, j'ai envie d'être au calme. Parce que les chiens me font chier depuis. Ils m'ont fait chier toute la nuit. Rayla, elle est infernale, elle arrête pas de gueuler, elle a gueulé toute la nuit. Dès que Ryan y bouge, elle gueule dessus, elle gueule sur Yuki parce qu'il veut sa place. Elle est infernale en ce moment. Ça fait 6 mois qu'elle est infernale. Vivement que l'adolescence passe, hein, parce que Ryan s'approche de moi, elle grogne. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé prout? Elle est chiante, hein? Encore elle est chiante, ou pas? Oui, bah non! Je vais sortir. Donc voilà, ouais, sur ce, je vous mets des trucs. Donc les deux, ça commence aujourd'hui, et la chaîne d'Olympe en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller voir si jamais les troubles comme ça vous intéressent aussi. Ça et la psychopathie. Moi, la psychopathie, ça me fascine. Ces chiens sont pas nets, mais ils sont pas nets de chez pas nets. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai rien de plus à ajouter pour cette semaine.
Ouais. Je suis en train de réfléchir hein, si j'avais rien à vous dire, mais j'ai pas le planning sous les yeux. Mais je sais que demain vous avez un short sur un nail art que j'avais fait Harley Quinn, que je vous ai montré il y a quelques jours là, je pense, que j'ai dû enlever le lendemain. Mercredi, une palette à make-up avec la Avatar, je crois. Non, c'est pas celle-là, c'est la semaine d'après. Attendez, j'ai regardé mes miniatures. Ben non, je les ai pas faites encore, j'ai pas fait mon montage. Je ne sais pas, enfin, une palette à make-up. Vendredi, je ne sais plus. Ah non, c'est samedi, c'est le Disney Challenge, je crois. Enfin, vous verrez bien. Je ne sais plus du tout mon planning. Je suis à l'ouest. Donc, voilà. Allez, sur ce, ben, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Et peut-être bonne nuit.